Mercredi 10 juillet, Meghan Markle et Kate Middleton ont assisté ensemble à un match de polo en compagnie de leurs enfants. Et si l'entente semblait cordiale entre les deux duchesses, il se trouve que ce n'était qu'une façade selon une experte. C'était une première pour elle. Mercredi 10 juillet, les princes William et Harry ont participé à un match de polo caritatif, sous le regard de leurs épouses, Kate Middleton et Meghan Markle. Un moment inédit pour les deux duchesses, qui se sont affichées pour la première fois ensemble, en compagnie de leurs enfants. Et si l'entente semblait plutôt bonne entre elles, il se trouve que l'attitude qu'elles ont chacune adoptée le temps de cette journée laisse penser le contraire, selon une experte du langage corporel. Comme le précise Judy James au Mirror, si Meghan Markle et Kate Middleton sont apparues quelques instants l'une à côté de l'autre, elles ont passé la majorité de leur temps chacune de leur côté, avec leurs enfants respectifs. Tandis que Kate Middleton était assise dans l'herbe avec le prince Louis, Meghan Markle, elle, a passé son temps à cajoler son petit Archie, âgé de 2 mois. Un geste délibéré de la part de la duchesse de Sussex, selon l'experte. Ce que j'ai pu voir, ce sont 2 mères chacune dans leur monde, explique Judy James. Cela pourrait être un effort délibéré pour s'éviter l'une de l'autre, tranche-t-elle. Meghan Markle, une maman très protectrice, l'experte en langage corporel, souligne également qu'aucun cliché n'a été pris au cours de cette journée de Kate Middleton en train de s'extasier sur Archie, tandis que Meghan Markle semble rester seule et méfiante avec son fils, se révélant ainsi être une mère très protectrice, explique Judy James au tabloïd.